autres. Il y avait bien sûr les habitués qui attendaient ce qu'ils aiment dans les opéras. Des airs, des vocalises, des trilles. Pelléas doit être écouté d'une toute autre oreille. Debussy disait bien à ses interprètes « Oubliez que vous êtes chanteur ». Contre, il y avait aussi le clan Maeterlinck et les musiciens officiels. Reynaldo Hahn, Massenet, qui avait été le professeur de Debussy, est sorti de cette première abasourdie en disant « Je n'y comprends rien, cela ne ressemble à rien ». Et Richard Strauss, amené par Romain Rolland, lui dit après le premier tableau, c'est tout le temps comme ça? Mais il n'y a pas de musique là-dedans. Et la musique, je sais ce que c'est. Et il est sorti. Il y avait des acharnés qui sont revenus à toutes les représentations. Ducas, Pierné, Georges Duhamel, Oscar Wilde, Proust, qui était tellement bouleversé, cela lui donnait des crises d'asthme. Pour se moquer, on les appelait les Pelléastres. Et Messager, bien sûr, qui était là, au pupitre, et qui dirigeait. Voilà. Maintenant, nous allons travailler. C'est la dernière rencontre de Pelléas avec Mélisande. Mais alors, il faut que vous disiez ça comme vous savez que vous allez partir, que vous ne la reverrez plus. C'est le dernier soir. C'est vraiment le dernier soir. Je ne la reverrai plus. Il faut qu'on sente ça. C'est le dernier soir. Vous pouvez l'attendre. C'est le dernier soir. Le dernier soir. C'est terrible, je ne la reverrai plus. C'est le dernier soir. Attendez. Le dernier soir. C'est mieux. Il faut que tout finisse. J'ai joué comme un enfant autour d'une chose que je ne soupçonnais pas. J'ai joué en rêve autour des pièges de la destinée. Je voudrais entendre 100 ans. Alors, Il faut que je la regarde bien cette fois-ci. Il y a des choses que je ne me rappelle plus. On dirait par moment qu'il y a 100 ans que je ne l'ai plus vu. Et je n'ai pas encore regardé. Voilà, c'est le thème de Mélisande. Alors, et je n'ai pas. Et je n'ai pas encore regardé Mélisande. Il ne me reste rien si je m'en vais ainsi. Et tous ces souvenirs, c'est comme si j'emportais un peu d'eau dans un sac de mousseline. Emporter un peu d'eau dans un sac de mousseline. Alors, évidemment, emporter un peu d'eau dans un sac de mousseline, il ne reste rien. Mais quand je travaillais ça avec Munch, qui n'avait jamais dirigé l'opéra, il me dit « Qu'est-ce que vous parlez de Mussolini ?» Je dis « Je ne parle pas de Mussolini, je parle de mousseline. » Voilà. Et
Quand on a fait Pelléas avec Münch à Florence, il était tout à fait perdu. Et il me disait, je n'entends rien, je suis sourd. Je dis, vous n'êtes pas sourd, mais vous n'avez pas l'habitude d'avoir des artistes si loin de vous. Il a toujours fait des oratorios, la damnation de Faust, où il avait des artistes à côté de lui. Alors, comme j'ai vu qu'il avait des décalages tout le temps, je lui ai proposé et il a accepté. Le jour de la représentation, je me suis mise sous son estrade. Et quand il était en avance d'un temps, je lui disais, attention, vous êtes en avance. Attendez, maintenant ça y est. Alors, quand on est sorti, j'ai dit, bon, il y avait des... Mais il dit, dis-moi que c'était bien. Voilà. Voilà. Alors, si vous voulez, on va recommencer à cet endroit-là. Il faut que je la voie une dernière fois jusqu'au fond de son cœur. Il faut que je lui dise tout ce que je n'ai pas dit. Il faut que je lui dise tout ce que je n'ai pas dit. Il a beaucoup de choses à lui dire. Il faut que je la voie une dernière fois jusqu'au fond de son cœur. Il faut que je lui dise tout ce que je n'ai pas dit. Pélias, Mélisande, est-ce toi, Mélisande? Oui. Reste pas au bord du clair de lune. Viens ici, nous avons tant de choses à nous dire. Viens ici, dans l'ombre du tilleul. Laissez-moi dans la clarté. On pourrait nous voir des fenêtres de la tour. Viens ici, ici, nous n'avons rien à craindre. Prends garde, on pourrait nous voir. Tu as pu sortir sans qu'on s'en soit aperçu. Oui, votre frère dormait. Il est tard, dans une heure on fermera les portes. Il faut prendre garde. Pourquoi es-tu venu si tard? Votre frère avait un mauvais rêve. J'ai couru. Ma pauvre Mélisande, j'aurais presque peur de te toucher. Tu es encore en haleine comme un oiseau pourchassé. C'est pour moi que tu fais tout cela. J'entends battre ton cœur comme si c'était le mien. Viens ici, plus près de moi. Je ne ris pas. Il y a le thème de Pélias. Et maintenant, c'est... Nous sommes venus ici il y a bien longtemps. Je me rappelle... Elle se rappelle la première fontaine. Quand ils étaient heureux et quand rien ne s'était passé, la bague n'était pas perdue, tout était bien, ils étaient heureux. Nous sommes venus ici il y a bien longtemps. Je me rappelle. Oui, il y a de longs mois. Alors, je ne savais pas. Je dois te dire ce que tu sais déjà. Alors, je vais interrompre parce que c'est peut-être la dernière fois. Ce si bémol, je l'ai trouvé dans la partition qui est à Royaumont. Et ce si bémol, c'est peut-être la dernière fois.
première fois. C'est dans aucune partition. Mais j'ai été un jour à Royaumont, juste avant d'aller en 62 à Vienne, parce que M. Karajan m'avait demandé de m'occuper de répétitions de Péléas. Et Mme Gouin, qui était la propriétaire de Royaumont, m'a dit « Est-ce que vous faites des choses intéressantes en ce moment ?» Je dis « Oui, je dois partir pour Vienne la semaine prochaine. » Elle dit « Est-ce que ça vous intéresserait de voir dans ma bibliothèque une partition qui appartenait à mon frère et qui était entièrement annotée par Debussy ?» Je dis « Ça me passionnerait naturellement. » Alors elle m'a installé dans la bibliothèque, je suis resté 2 heures en contemplation de cette... Et c'est là où j'ai trouvé des tas d'indications, de mouvements, CD un peu... Je vous le dirai au fur et à mesure. Alors c'est ça. Tu ne sais pas ce que je vais te dire. Tu ne sais pas ce que je vais te dire. Mais non, je ne sais rien. Cela d'une voix qui... Non, mais ça, c'est trop tranquille. Qu'as-tu dit, Mélisande? Oui. Je ne l'ai presque pas entendu. On a brisé la... Il est dit plus lent, mais c'est quand même dans l'excitation. Elle dit, je t'aime aussi. Oh, qu'as-tu dit? Oui. Alors, c'est ça. Je t'aime aussi. Oh, qu'as-tu dit, Mélisande? Je ne l'ai presque pas entendu. Briser la glace avec tes fèves rougies. Tu dis cela d'une voix qui vient du bout du monde. Je ne l'ai presque pas entendue. Je ne t'ai presque pas. Je ne t'ai presque pas entendue. Tu m'aimes aussi. Depuis quand m'aimes-tu? Depuis que je t'ai vu. Et maintenant arrive un nouveau thème, c'est le thème de l'amour. Qui va être tout le temps dans ce passage-là. Jusqu'ici, on dirait qu'il a vu sur mon cœur. Tu dis cela si franchement, comme un ange qu'on interroge. Je ne puis pas le croire. Je ne puis pas le croire, Lisande. Pourquoi m'aimerais-tu? Et pourquoi m'aimes-tu? Est-ce vrai ce que tu dis? Tu ne me trompes pas, tu ne mens pas un peu pour me faire sourire. Non, je ne mens jamais, je ne mens qu'à ton frère. Oh, comme tu dis cela, ta voix. Ta voix, elle est si fraîche et si franche que... Et plus franche. Ah, et plus franche. Ta voix. Ta voix, elle est plus fraîche et plus franche que l'eau. Donne-moi tes mains,
Qui veut d'être dans la lumière. Tout à l'heure, c'était elle qui voulait être dans la lumière. Et maintenant, c'est lui. Oui. Arbre. Oui. Nous sommes déjà dans l'ombre. Il fait trop noir sous cet arbre.